Ce sentiment d'avoir perdu je ne sais pas combien de journées de sa vie pour rien, c'est fait ressentir après mon visionnage de ce film au cinéma. Et je vous jure, ça le rend particulièrement frustrant. Un plan assez particulier, assez original. Comme je pense, je n'ai jamais connu ça avant. Ça va être un petit peu compliqué à faire comprendre à ceux qui n'ont pas suivi depuis le début les premières vidéos sur Détective Pikachu, à savoir que je suis pas un fan de Pokémon particulier. J'ai apprécié ça à ses débuts, mais ça m'a vite passé. Et le côté très redondant de la chose, que ce soit en termes de série ou de jeux vidéo, et les différents extraits, d'échantillons que j'en ai vus ci et là pour illustrer ça, m'ont jamais particulièrement donné envie de m'y intéresser davantage, de m'y réintéresser, jusqu'à il y a peu avec la bande-annonce de Détective Pikachu, où je trouvais que c'était une approche intéressante de la chose, que j'avais un peu envie de voir, ça ravivait un tout petit peu mon intérêt. Pour l'univers Pokémon, c'est ça qui m'a fait m'intéresser aux jeux vidéo que j'ai achetés, auxquels j'ai joué. J'ai fait des réactions là-dessus, si ça vous intéresse. Et c'est ça qui, bon, a fait que je me suis précipité, entre guillemets, en salle pour aller le voir jeudi dernier. Et punaise, la déception. C'est pas un film affreux, qu'on soit d'accord, mais médiocre sur tellement de points, je trouve. Bon, on va parler tout de suite de la chose qui a du mérite, et honnêtement, j'ai l'impression que plus ça va, plus j'arrête pas de tomber sur des films comme ça. Visuellement, c'est très bien fait, je ne le nie pas. Je trouve que il y a un travail de transition sur le dessin, l'animation 2D, vaguement 3D qu'on avait vu des Pokémon avant, et cette espèce d'incrustation dans notre univers live action à nous, qui a été très bien gérée. Et à quelques exceptions près, la plupart des Pokémon ont l'air de vraiment bien s'intégrer dans ce monde-là, en étant tout à fait reconnaissables. Pikachu en premier, on voit la fourrure aussi, le travail là-dessus, c'est très bien foutu, je ne nie pas. Et ça crée un univers, honnêtement, qui paraît crédible, visuellement parlant, et même dans le caractère des personnages, la façon dont ils s'y retrouvent, c'est quand même du bon. Je ne vais pas le nier une seule seconde, ça, visuellement parlant, ça a su vraiment créer un univers qui tient la route. Autre chose que j'aurais à dire de bien sur ce film, c'est les acteurs qui, en règle générale, s'en tirent bien. Surtout l'acteur principal qui arrive à donner un peu de personnalité au personnage de Tim Goodman. Quand on sait d'où ça partait par rapport aux jeux vidéo, je trouve qu'il y a une progression assez sympathique par rapport à ça. Et en dehors de ça, c'était pas fameux. Mais vraiment pas fameux. C'était pas affreux. L'histoire n'était pas nulle à chier. Il n'y avait pas. Enfin, si, il y en avait un petit peu de moments complètement pourris à 2-3 moments, mais c'était pas non plus globalement une insulte ou quoi que ce soit. À part la fin, j'y viendrai. Mais en dehors de la fin, c'était pas globalement une insulte, mais c'était vide d'ambition le reste. C'était vu et revu, du cliché, de l'évolution de développement basique déjà fait par faire qui n'avait aucune saveur. Et sérieusement, j'ai subi le film en me disant, ça avance, qu'est-ce que je suis censé en retirer? Pas grand-chose, honnêtement, pas grand-chose. La première chose à dire par rapport au personnage de Pikachu lui-même, parce que voilà, je vais faire rapidement le pitch pour ceux qui savent pas. Tim Goodman, notre héros, a perdu son père dans des circonstances un peu mystérieuses, et il va enquêter avec son Pokémon, Pikachu, pour savoir ce qui lui est arrivé. Il va y avoir toute une histoire de ville particulière où les animaux, enfin les Pokémon et les humains vivent en harmonie sans Pokéball. Ça essaye de faire le lien avec les jeux aussi, je trouve ça. Je trouve ça gros. Honnêtement, je trouve ça gros. Ils n'ont pas fait ça dans le jeu vidéo, ils ont fait une référence, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Là, dans ce film, ils essayent de faire le lien avec les films.
Il y a un moment donné, on essaye de faire le lien avec le premier film sur Mewtwo. On essaye de dire, ouais, il s'est passé, ce que vous avez vu dans le premier film animé de Pokémon, ça s'est passé. Et ouais, non, ça devient beaucoup trop gros pour moi comme ça. Parce que sérieusement, l'ambiance de l'animation, de la série des films animés, c'est quand même pas. Ça peut pas amener à ça. Clairement pas. C'est ridicule pour moi. Mais bref, ouais, il y a ce côté très basique dans le déroulé des événements, dans la personnalité des personnages. Je veux dire, même Tim Goodman, il est sympathique, mais c'est genre l'ado un petit peu, un peu émo sur les bords, comme on en a vu pas mal, qui réagit de façon très classique aux choses qui lui arrivent, un peu comique, genre film de duo comique comme on en a vu des tonnes avant. Je veux dire, Pikachu, je trouvais que c'était le personnage le mieux réussi du jeu vidéo, parce qu'il avait un petit peu sa personnalité, un peu cocasse, mais sans en faire trop des caisses. La plupart du temps, il arrivait à être sympathique. Mais là, ce Pikachu, c'est sous Deadpool. Ils savent qu'ils ont eu Rian Johnson. Et ben, vous savez quoi, maintenant, Rian Johnson, il va faire du Rian Johnson, semble-t-il. Deadpool, c'est devenu Rian Johnson. C'est son personnage. Maintenant, dès qu'il doit jouer un rôle, ça doit être une espèce de dérivé de Deadpool. Ce qui fait que, ouais, c'est le mec qui fait des vannes tout le temps, limite des clins d'œil à la caméra par moment, et qui n'a pas grand-chose à dire à part ça, quoi. Je suis quelqu'un qui aime faire des vannes. Et des fois, les vannes sont drôles, hein, je vais pas le nier, hein, il y a quelques blagues qui m'ont fait sourire, mais c'est tout. Et globalement, je trouve ça faiblard. C'est tout ce que ça doit être pour vous, des bons personnages, des mecs qui racontent des blagues à n'importe quel moment. C'est tout ce que ça doit être pour vous. Eh ben, c'est super, hein. Je sais pas, le Pokémon, enfin, le Pikachu du jeu avait quelque chose en plus par rapport à ça. Il avait une personnalité un peu mise en avant, et la plupart de ses blagues, la plupart des blagues qu'on faisait autour de lui, c'était en partie par rapport à son caractère un petit peu, je me sens supérieur aux autres, j'ai cette approche un peu vantarde des choses sur laquelle on jouait un petit peu dans le jeu, ce qui le rendait un peu attachant, un petit peu particulier et assez remarquable par rapport aux autres personnages qui étaient assez fades, mais il faut reconnaître. Là, c'est un sous Deadpool, quoi. C'est Deadpool réincarné en Pikachu, presque. J'exagère un petit peu parce que bon, ça veut pas non plus trop briser le quatrième mur, mais punaise. Ce qui fait que ouais, les personnages sont pas particulièrement prenants à suivre. C'est des cas typiques, comme on l'a vu 36 fois avant dans les films. Et je trouve que pour un film qui essaye de reprendre une licence populaire, repartir sur ce genre de clichés typiques. Qui sont déjà faits des tas de fois, c'est pas vraiment très ambitieux. Et c'est ça le truc que j'ai reproché à ce film, c'est vraiment son gros manque d'ambition. Dans les personnages, la gestion des événements, des rebondissements, j'y viendrai. Et dans les liens entre personnages, le lien très pote entre Pikachu et Tim. Honnêtement, c'est du déjà fait, déjà vu, et ça essaye de mettre en place quelques petits moments drame, émotion, très rapides, qui n'ont aucun impact pour moi. Parce que j'ai déjà vu ça des tonnes de fois, dans des tonnes de films, et qui ont mieux amené ça. Parce que, d'une part, ça faisait pas des blagues tout le temps à la Deadpool aussi. Ça, c'est un des trucs qui fait que j'arrive jamais à être pris dans l'espèce de drame, le pseudo-drame que veulent faire passer les films Deadpool, quoi. C'est juste une espèce de gros gag, le film. Et quand ça essaie de partir sur du sérieux, moi je me dis, mais vous vous foutez de ma gueule, vous essayez vraiment de me faire prendre au sérieux ça? Alors que vous avez fait des tonnes de gags, sans queue ni tête avant, sans prendre une seule seconde au sérieux ce qui se passait, vraiment, là c'est pareil. Seulement, au moins Deadpool, c'est un peu sa marque de fabrique. Là, c'est pas le cas avec Pikachu. Détective Pikachu, le jeu marchait pas comme ça. Les jeux Pokémon marchent pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Les liens entre personnages, surtout donc entre Pikachu et Tim, c'est quelque chose. Mais il y a aussi un lien entre Tim et la journaliste Lucy. Alors qui est un personnage du jeu vidéo aussi qui a été diamétralement changé dans le jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont été diamétralement changées. Je ne cache pas, c'est pas mal, hein. Ça m'a même pris par surprise à un ou deux moments, je le reconnais. Après bon, c'est bien beau de changer des éléments si c'est pour en faire quelque chose
de très classique, de très typique dans le genre déjà vu. Il n'y a pas de quoi fanfaronner non plus, hein. C'est le personnage, Lucie, de la jeune fille qui en veut, quoi. Elle est mal considérée, mais elle veut se faire valoir. Elle a un petit sens de la justice et elle veut se hisser au sommet. Et donc voilà, ça lui donne une petite personnalité qu'elle n'avait pas trop dans le jeu, où elle était gentillette, mais elle n'est pas plus loin que ça. Là, c'était un petit peu plus loin. Et le problème avec ça, c'est que, en rendant le personnage un tout petit peu plus intéressant en termes de personnalité, sans que ça aille très loin, ça a rendu leur relation de couple très fade. C'est intéressant de voir que, en fait, personnellement, pris à part, les personnages sont devenus plus intéressants soit que dans le jeu, mais leur relation de couple, qui était quand même un peu mignonnette, hein, je reconnais dans le jeu, est devenue très fade, très terne, puisque c'est même poncif déjà vu de ce genre de relations qui n'ont absolument aucun impact. Honnêtement, si vous jugez que c'est un couple attachant, vous n'avez pas dû suivre beaucoup de couples, les gars. Le fait de reposer un petit peu votre intrigue sur un film d'1h45, eh ben ça va évidemment résumer, raccourcir un jeu qui dure beaucoup plus longtemps que ça. Ce qui n'est pas un gros souci, honnêtement. C'est pas la même chose que le film Le Dernier Maître de l'Air, où vraiment il a fallu tasser 20 épisodes de 20 minutes qui racontaient, à quelques exceptions près, une histoire assez fournie. Là, quand même, dans le jeu, il y a beaucoup de perte de temps, entre guillemets, de moments, parenthèses, qu'on aurait pu facilement raccourcir. Donc c'était pas compliqué de résumer à peu près les événements du jeu vidéo en un film d'1h45, hein. Le problème, c'est pas tant que c'était difficile à faire, qu'ils l'ont pas fait de façon très futée, pour moi. Dans le sens où, étant donné qu'on part sur des cas typiques, des enchaînements d'événements très typiques qu'on a déjà vu des tas de fois dans ce genre de film, et ben on joue très peu sur le côté détective du personnage. On est censé suivre deux personnages, Tim et Pikachu, qui font une enquête, qui suivent des indices, etc. Et c'est très cool sur le principe. Seulement, le côté enquête, on le ressent très peu. C'est pas détective Pikachu, hein, c'est blagueur Pikachu, hein, il fait quasiment aucun travail d'enquête. Mais vraiment aucun. Il y a quoi comme travail d'enquête qu'ils font? C'est d'une part, à un moment donné, ils interrogent un Pokémon dans une scène trop longue pour ce qu'elle représente, pour une blague qui n'a aucun sens pour moi. Si vous voulez, c'est Monsieur Mime, si vous avez vu la scène, ça n'a aucun putain de sens, la logique de la chose. Déjà, je ne savais pas que Monsieur Mime pouvait matérialiser tout ce qu'il mimait. C'est-à-dire qu'il mime un mur, et ben il y a un mur physiquement. Oh, ok. D'accord, je veux bien accepter ça. Je ne savais pas que ça marchait comme ça, mais ok, je veux bien accepter ça. Mais quand il participe à son mime, Tim, et ben ce qui est mime, ça marche aussi, ça existe aussi. Ça n'a aucun putain de sens pour moi. Mais apparemment, ça marche comme ça. On dirait un sketch parodique. On dirait un putain de sketch de Dork Libit, presque, ce truc. Si vous connaissez pas Dork Libit, je vous encourage à aller voir ça. Ils font pas mal de petits sketchs sur les jeux vidéo. Ils en ont fait énormément sur Pokémon parce que c'est ultra populaire, évidemment. Et voilà, on aurait dit un putain de sketch parodique à part. On n'aurait pas dit une scène qui s'imbrique bien dans un film. Et ça me gêne énormément, ça. Voilà, en parlant de Pokémon et de choses qui m'ont un peu irrité là-dedans, c'est le Pokémon de Lucie. Donc, comme je l'ai dit, nos détectives font quasiment aucun travail. Il y a deux moments où ils montrent un tout petit peu leur pouvoir de déduction. Et quand je dis un tout petit peu, j'ai un tout petit peu, hein, ça va pas super loin non plus. Et le reste du temps, ils se font amener vers la suite du scénario. C'est quelqu'un d'autre qui leur enseigne sur ce qui va se passer. Il y a un mec qui va leur dire: ah, voilà ce qui s'est passé, j'ai engagé votre père pour suivre aussi, allez voir de ce côté-là pour trouver ce que je recherche. Ok, et à un moment donné, quand il fait des recherches, le gars, il y a Lucie, la jeune journaliste, qui a déjà trouvé des tonnes de trucs et qui a déjà trouvé des tonnes de pistes. Honnêtement, limite, elle aurait pu tout faire elle-même, à peu de choses près. On aurait pu centrer seulement sur elle sans Pikachu et Tim, et limite, on aurait pu faire une histoire, quoi. En changeant quelques petits détails, ça aurait pu être seulement elle, presque, à peu de choses près. Pour ce que ça apporte. J'exagère un petit peu, mais ouais, c'est un gros problème. Bref, on va suivre, hein, Lucie, qui aura son propre Pokémon, sachant qu'elle n'avait pas de Pokémon perso avant.
Et je déteste Psycho-Kouak. Ce Pokémon m'a toujours cassé les couilles. S'il y a un élément dans la série qui a accéléré mon inintérêt pour Pokémon, c'est putain de Psycho-Kouak avec sa gueule de con, sa façon de gérer son pouvoir qui est complètement ridicule et stupide. Et putain, je déteste le fait que vous ayez insisté sur ce Pokémon. Il était gavant à répéter tout le temps Psycho-Kouak, j'avais envie de... Servait à rien en plus, à part un petit passage, mais honnêtement, on aurait pu faire sans ça et on aurait s'arrêté pareil. Mais il fallait mettre Psycho-Kouak. Et vous savez pourquoi il a fallu mettre Psycho-Kouak? C'est pour jouer sur la nostalgie, parce qu'on joue énormément sur la nostalgie là-dessus, et de façon, mais vraiment brute de décoffrage. Quel personnage de Pokémon vous connaissez possède un Pikachu et un Psycho-Kouak? Je vous donne en mille, Sacha et Ondine! C'est pour rappeler un peu ça, nostalgie, etc. C'est clairement pour faire ça. Énormément de moments de nostalgie forcés et de naze. Un moment aussi avec Pikachu qui se met à chanter le générique de la première saison. Mais ça aussi, le côté nostalgie, c'est vraiment pour les tout premiers, hein. Genre les mecs qui ont suivi la toute première saison, les premières générations, etc. Ceux-là, on va insister sur la nostalgie de ceux-là pour bien capter le plus de monde possible. Mais voilà, il y a un moment donné, Pikachu, il chante le générique de la première saison, alors qu'il est déprimé et triste, avec un moment de déchirement, de rupture entre les personnages super mal amenés, complètement con, je trouve. En se lâchant, ouais, je suis déprimé. Pokémon est attrapé, tous les autres histoires. Il l'a fait comme ça, exactement. Il est déprimé, il chante le générique. Vous connaissez le générique dans cet univers? Je croyais que c'était extra-diégétique tel univers, hein, que c'était pas une chanson officielle d'un quelconque pays du coin, mais... J'imagine que c'est du cassage de quatrième mur, ça. Il y avait une référence similaire, comme je l'ai dit, comme ça dans le premier jeu, mais c'était un chouïa plus fin, je dis bien un chouïa, et ça devenait pas la référence complètement absurde par rapport à la logique de l'univers, quoi. Ils sont pas censés connaître cette chanson. Et j'essaye de voir un petit peu les derniers points à avoir avant de parler de la fin, parce que j'ai un gros gros morceau à dire sur la fin. Alors, ouais, on va parler rapidement du virus R et de Mewtwo. Voilà, parce que ça se joue en grande partie, ça se centre en grande partie sur Mewtwo, c'est pas un spoiler, vous voyez ça dès les premières secondes du film. Voilà, Mewtwo, qui est, je pense, pas le meilleur Pokémon modélisé. Je trouve qu'il passe correctement, mais on a fait mieux modélisé que ça. C'est un peu dommage parce que c'est quand même le Pokémon central, on aurait pu le faire un tout petit peu mieux modélisé, qui, je trouve, est un petit peu mieux, un petit peu plus attachant dans cette version-là que dans la version du jeu vidéo. Voilà, la version du jeu vidéo, honnêtement, pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus, à part que c'est quelqu'un qui est pas content. Voilà, et qui lance un espèce de pseudo-ultimatum, mais en dehors de ça, il est pas content, et il fait des petits discours à la con, il se barre, il est pas très intéressant. Là, on essaye de le rendre un peu plus compréhensif, un tout petit peu plus attachant par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à ses réflexions, même si ça le rend une fois de plus très classique. Dans le genre personnage divin qui voit l'humanité de haut, mais qui se rend compte, grâce à nos héros, qu'il existe des gens bien dans ce monde. Très classique. Donc, c'était, ouais, c'était basique une fois de plus, mais ça restait quand même un tout petit peu plus prenant que celui du jeu vidéo, je vous cache pas. Enfin bref, il y a toute une histoire de virus R autour de ça. Là aussi, ça vient assez tôt dans le film, donc je pense pas que ce soit un gros spoiler de vous dire ça. Un virus et qui enrage les Pokémon. Et je vous cache pas que par rapport à ce qui est mis en place, on aurait pu se passer de ça, que ça aurait été pareil. Le virus R, c'est un élément très important du jeu vidéo, hein. Ça joue un gros rôle et c'est ce qui lance tout. Le virus R, c'est une espèce d'excuse à la con pour faire une référence au jeu vidéo, parce que bon, hein, il faut quand même qu'on rappelle que ça s'inspire du jeu vidéo, et qui sert d'élément à la con juste pour ajouter une légère couche
de menaces, de dangers à certaines scènes, à certains moments. Et il y a certains moments où c'est super mal géré. Il y a un moment donné, il y a toute une salle qui est touchée par le virus R, et donc tous les Pokémon du coin deviennent berserk, etc. Et apparemment, aucun humain n'est blessé ou quoi que ce soit. C'est juste un peu la débandade, mais voilà, ils sont juste enragés, mais ils font pas tant de mal que ça, semble-t-il. Semble-t-il, hein, c'est traité à la légère, ça, et honnêtement, ça valait pas grand-chose. Et ce qui m'amène donc un peu en lien avec ça à la fin. Et là, je vais être un petit peu obligé de vous spoiler ce qui se passe. Donc, à partir de maintenant, spoilers, vous êtes prévenus, etc. Alors, c'est là que ça commence un petit peu à chier dans la colle. Parce que j'ai beau mettre plein, plein, c'était passable. C'est-à-dire que ça se suit. Y a rien d'affreux, mais. Ça s'oublie vite, honnêtement, hein. Une fois qu'on oublie l'ambiance visuelle, ce qu'on raconte, ça s'oublie très vite. Mais très vite, hein, dans ce qui se passe dans ce film. Mais la fin, ça part en couille de façon, mais assez dingue. Au point où je me dis, punaise, enfin il se passe quelque chose. C'est complètement débile et insultant, mais au moins il se passe quelque chose qui me donne envie de rager un peu, d'avoir une réaction vraiment prenante, en dehors de Psycho Quad que je peux pas blairer et que j'avais envie de. En dehors de ça. Donc, on apprend que le grand méchant n'est pas celui qu'on faisait croire depuis le début, mais l'autre cas possible. Il n'y a pas énormément de cas possibles, et qui s'avère être les fondateurs de la ville. Donc, c'est très différent de ce qui se passe dans le jeu vidéo. Au passage, si jamais ça pourrait vous intéresser, le jeu vidéo racontera pas du tout la même chose. Et je trouve quand même que, même si c'est un peu grossier dans le jeu vidéo, c'est quand même écrit de façon plus satisfaisante que ça. Plus satisfaisante que ça. Le méchant, c'est en fait le fondateur de la ville, quelqu'un qui est atteint de je ne sais pas trop quelle maladie dégénératrice, qui fait que maintenant il est en fauteuil roulant, il peut plus trop se déplacer, et qui a un petit peu demandé l'assistance de Tim pour le contrôler afin qu'il retrouve la trace de Mewtwo et qu'il le capture. Et pourquoi voulait-il capturer Mewtwo? Eh bien, il possède un outil qui permet d'échanger son esprit avec Mewtwo. Avec n'importe quoi, semble-t-il. Enfin, c'est pas super clair. J'ai le sentiment qu'il faut utiliser le virus R aussi. Pour ça, virus R qui, au passage, est vient des cellules de Mewtwo, hein, tiré des cellules de Mewtwo. Et apparemment, injecter ces cellules de Mewtwo, ça permet de mettre en place un système qui fait qu'ils s'échangent leur conscience. Enfin, ils s'échangent pas leur conscience, c'est plus compliqué que ça. Enfin, plus compliqué, plus simple dans l'absolu. C'est juste, il fait passer sa conscience dans le corps de Mewtwo, et celle de Mewtwo s'efface, j'imagine. Donc, son corps a cette espèce de casque qui permet de faire passer sa conscience à Mewtwo. Ah, je vais vous raconter ça parce que, limite, c'est un film que je pourrais traiter en critique au détail, tellement cette fin est conne et ça ferait une chute, mais je n'ai pas particulièrement envie de dédier un Disney film HS à ça, sauf si quelqu'un veut le demander, à ce moment-là, n'hésitez pas, mais. Mais voilà, j'ai envie d'aller au détail parce que c'est n'importe quoi tellement c'est con. Cet outil à la con, il sort de nulle part. À aucun moment donné, on a mis en avant le fait qu'il existerait une technologie qui permettrait de faire passer sa conscience dans un Pokémon et de posséder ce Pokémon. Ça sort direct du cul des scénaristes qui n'ont rien mis en place pour ça. Et les mecs, les petits malins qui vont dire « Ah, mais c'est un univers Pokémon où il y a des technologies assez dingues, on peut bien s'imaginer ça. » Mais allez vous faire mettre, les gars. Sérieusement, allez vous faire mettre. Vous êtes prêts à gober n'importe quoi, simplement parce que c'est univers magique, technologique. À ce moment-là, ouais, il pourrait aussi inventer une capsule qui pourrait lui faire pondre des œufs d'or par le cul aussi. C'est sérieusement, on peut inventer tout et n'importe quoi si on part sur ce genre de considération. Bref, déjà, ça, c'est gros. J'ai tellement de choses à dire, faut que je les traite un petit peu dans un certain ordre. Alors, son intention, c'est pas seulement ça. Parce que, de base, si vous me dépeignez son intention comme ça, je vous dirais, c'est logique. C'est quelqu'un qui est mourant, qui a un corps qui décrépit, il a envie de prendre le corps du Pokémon le plus puissant au monde. Compréhensible, hein, un désir mégalomaniaque, totalement compréhensible, très bien. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Parce que
Mewtwo possède, en plus de ses pouvoirs de supra-boule d'énergie, comme on le verra après, le pouvoir, qui là aussi n'a pas du tout été mis en place avant. On pourra me dire, ah oui, mais ça a été fait un petit peu avec un certain Pokémon avant. Non, non, c'était pas la même chose. Mais genre, pas du tout. C'était une mise en scène différente. Qui veut, en fait, c'est faire en sorte que tous les humains soient fusionnés avec leurs Pokémon. Il considère genre que les Pokémon sont la voie de l'évolution parfaite et se dit tiens, je vais pas donner leurs mots aux autres êtres humains qui peuplent le coin, je vais tous les faire émerger leur esprit dans le corps des Pokémon qui auront donc leur esprit effacé puisque il y aura que ça. Et ouais, Mewtwo possède ce pouvoir-là, le pouvoir de transférer les esprits de gens dans le corps de Pokémon, s'ils sont enragés, s'ils n'ont pas parfaitement conscience de qui ils sont et s'ils n'ont pas l'esprit posé. Donc c'est à ça que sert le virus R. Mais étant donné que vous sortez ce pouvoir de votre cul, honnêtement, à quoi sert votre putain de virus R? À la limite, vous pouvez juste dire, il peut faire ce pouvoir-là, qu'importe l'état du Pokémon, et ce serait pareil, hein. Le virus R sert à rien du tout, hein, une fois de plus, hein. C'est juste une excuse à la con, hein, mais c'est tout. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il fait en sorte que tous les personnages de Rime City soient transférés dans leur Pokémon et deviennent des Pokémon. Le plan du grand méchant qui sort du nulle part. C'est une connerie. Dans un sens, c'est marrant, tellement c'est con. Mais voilà. Une fois de plus, c'est un pouvoir que vous sortez de votre cul. Parce que je pense pas que dans les fiches descriptives de Mewtwo, sur n'importe quel jeu Pokémon, y ait un espèce de pouvoir qui lui permette de transférer l'esprit d'un être humain. C'est même pas ça, c'est transformer le corps de l'être humain en boule d'esprit, avec ses vêtements, parce que c'est important, on va pas montrer de nudité. Transformer ce corps d'être humain en boule d'esprit pour l'injecter dans le Pokémon et lui faire prendre. C'est complètement con. Je me suis empêché de rire de dépit, tellement c'était ridicule. Enfin, si il existe ce genre de truc, les fiches descriptives de Mewtwo, alors c'est une raison de plus pour laquelle j'ai bien fait de plus m'intéresser à Pokémon parce que ça devenait n'importe quoi déjà. Voilà donc notre pouvoir que vous sortez de votre cul. Alors, c'est pas fini parce que je vous ai pas parlé de la mise en scène par rapport à tout ça, hein. Il y a beaucoup de trucs à dire en termes de mise en scène. Déjà, un détail que j'ai apprécié parce que je peux pas croire que je trouve que tout est nul une fois de plus. Il y a cette espèce de personne qui travaille pour le grand méchant, qui est une femme un peu stricte, qui porte toujours des lunettes de soleil. Et à un moment donné, on voit aussi le soi-disant grand méchant se montrer machiavélique, mais en portant des lunettes de soleil. Et on se rend compte depuis le début que c'était un métamorphe en fait. Un métamorphe qui prenait ses apparences afin de tromper le monde et de faire croire certaines choses. Ce qui fait dire que ouais, son assistante, c'était toujours un métamorphe au pouvoir un peu spéciaux, parce que apparemment c'est pas un truc comme ça, mais il a fait des tests sur lui. Honnêtement, c'est pas trop grave ça. Par rapport aux autres conneries super grosses que vous avez faites, c'est totalement acceptable ça, en comparaison. Et là, c'est une idée intéressante. En dépit du fait que oui, il faut connaître Pokémon, hein, parce que si on a laissé aucun indice sur le fait que ce genre de Pokémon existe. Une fois de plus, c'est pour les fans purs et durs. Ça, c'est un truc qui a à dire, c'est clairement pour les fans, hein. Les mecs qui connaissent pas Pokémon, mais vraiment seulement vaguement, ils vont être complètement paumés, hein. Ils vont se dire, mais d'où ça sort ça, d'où ça sort ça, d'où ça sort ça? Déjà, même moi, qui connais un petit peu le principe, je me demande d'où sort ces conneries-là. Alors, les gens qui connaissent moins que moi, je vous jure, ceux-là, ils sont paumés sur pas mal de points. Ouais, donc ça c'était intéressant. C'était très intéressant. En plus, ça amène un petit combat pas trop mal avec Team qui doit lutter contre un change-forme qui peut prendre les pouvoirs de n'importe quel Pokémon et personne dont il prend la forme. Bon, c'est fait de façon un peu gaguesque, mais honnêtement, j'ai vu bien pire. Ça passait plutôt bien jusqu'à ce que le métamorphe se fasse battre en se faisant injecter un espèce de fumée qui a l'air d'être le virus R.
Alors, je sais pas exactement, à nouveau, c'est pas super clair. C'est une espèce de container de fumée qui est très similaire à la fumée du virus R. C'est pour ça que je me dis que ça doit être le virus R. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Il lui balance toute cette fumée dessus et ça le fout KO. Je croyais que c'était censé l'énerver davantage. Je pige pas là. J'avoue que je pige pas. J'ai pas compris ce délire. Comment ça se fait que ça marche comme ça? Ta gueule, c'est Pokémon. Ok. Très bien. C'est dommage, hein? Le reste du combat était plutôt bien foutu, mais là. Cela étant, il y a le problème donc du méchant Mewtwo maléfique possédé par l'esprit du méchant entrepreneur. Parce que oui, à nouveau, c'est un méchant entrepreneur, hein, une fois de plus, hein, c'est très original. Qu'il faut gérer. Je me demandais comment ils allaient faire pour gérer ça et tout. Et il suffit juste de lui enlever l'espèce de casque sur la tête qui lui permettait de prendre le contrôle de Mewtwo. Voilà, Tim le fait en 2 secondes et puis c'est bon, le lien est rompu. Mewtwo revient tel qu'il est. Et il a le pouvoir, bien entendu, de défaire tout ce qu'il a fait, de rendre leur corps avec leurs vêtements de tous les personnages qui ont été mis dans le corps de leur Pokémon. Et c'est complètement. C'est très décevant comme façon de les faire. Et c'est surtout très con en termes de mise en scène, une fois de plus. Parce que. Je vous en ai pas parlé, hein, donc si vous n'avez pas vu le film, vous comprendrez peut-être pas. Mais faut savoir que Tim Goodman, au début, pensait que c'était quelqu'un qui était de son côté. Il a fait croire qu'un autre personnage était un grand méchant, alors que c'était lui le grand méchant. Et donc il est venu le voir, il l'a pris par surprise en lui montrant que ah, regarde, en fait c'est moi le grand méchant. Je transfère mon esprit dans Mewtwo au moment où je te parle, etc. Et durant toute la période où il a fini de transférer son esprit dans Mewtwo. Le mec fait son long discours d'exposition bien dégueu, très, très intelligente, marque d'une écriture très paresseuse. Il va en ville faire son plan. Sans craindre une seule seconde que Tim pourrait essayer, je sais pas trop, de lui enlever son appareil. Je veux dire, il y a une période de 30 seconde d'une minute durant laquelle Tim est tout seul, enfin tout seul entre guillemets, et sans le méchant Mewtwo pour le surveiller, dans cet endroit-là. Et durant toute cette période, il aurait pu lui enlever son appareil. Mais le méchant, il n'y a pas pensé. Il s'est dit merde, il ne fera pas gaffe. Puis bon, la secrétaire métamorphe, elle va s'en occuper. 30 secondes plus tard, le temps qu'il s'en rende compte, j'en sais trop rien. C'est une mise en scène de merde. Je trouve que c'est une mise en scène de merde. Le mec qui a pas essayé ça avant, mais. J'ai trouvé cette scène à la fois hilarante en termes de gros n'importe quoi et de mise en scène foireuse, il y a à la fois insultante. Et c'est sans doute le seul vrai moment bien fort qui se démarque honnêtement en termes de scénario, parce que le reste c'est ultra basique, les éléments s'enchaînent de façon très basique et déjà vu sans que ce soit particulièrement prenant. Et globalement, c'est un film très frustrant pour moi parce que faut bien savoir que j'ai dépensé de l'argent et du temps après les promesses que m'ont faites la bande-annonce. Si, ça me frustre horriblement. J'ai dépensé 33 euros pour ça, 7 euros pour le film, 40 euros pour rien. Pour une perte de temps. Je veux dire, le jeu est pas trop mal sans plus, mais honnêtement, il y a des tonnes de jeux qui valent largement plus le coup que ça, en termes de prix et de durée, parce que bon, durée de vie, ça va, c'est acceptable, mais on fait bien mieux. Le film était passable, vraiment passable, et voilà, c'est. Cette bande-annonce m'énerve maintenant. Cette bande-annonce avait quelque chose qui pouvait promettre, et maintenant. Maintenant que ça me revient en pleine gueule, maintenant que je me rends compte de tout ce que ça m'a fait faire pour pas grand-chose au final, je suis frustré. Mais s'il y a bien une chose que ça a fait, c'est me conforter dans mon envie de ne plus suivre Pokémon, hein. Voilà, maintenant on m'y reprendra plus. Je me ferai plus avoir par ce genre de truc et je pense que la franchise Pokémon et moi, c'est terminé pour de bon.
Maintenant, je jouerai toujours à les souvenirs de quand je suivais la première et légèrement la seconde génération avant. Et c'est tout. Hein, les premières saisons de la série animée, et ce sera tout, quoi. Je prendrai pas plus plaisir que ça. Je m'y intéresserai plus. C'était un coup d'épée dans l'eau, une perte de temps pour moi. Et c'est ce qui rend ce film frustrant. Mais je vais dire un truc avant de partir, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se sentir vexés. Si vous avez aimé ce film, parce qu'il y a l'ambiance Pokémon, parce que vous avez vu des Pokémon cool bien modélisés et quelques combats qui peuvent être sympathiques, sachant que c'est pas non plus ultra poussé en termes de combat, j'ai vu des chorégraphies bien mieux que ça, hein. On aurait pu faire des combats beaucoup plus détaillés, beaucoup plus fortiches que ça. C'est très basique, moi attaque toi, toi attaque moi. Quelques petits coups, mais rien, aucun enchaînement, aucun truc très vif, je trouve. Enfin bon, on aurait pu faire bien mieux. Et ouais, mais bon, ça passait correctement à peu près. Si vous aimez juste ce côté ambiance Pokémon, un peu coloré, si ça vous rappelle donc ce qui vous plaît là-dedans, je peux comprendre que vous appréciez ça. Moi-même, il y a un film qui correspond parfaitement à ça pour moi. Je suis un fan de Final Fantasy VII. Ce film, en termes de scénario, est loin, très loin d'être génial. Mais il y a tellement de rappels à Final Fantasy VII là-dedans, un jeu que j'adore, que je peux pas m'empêcher d'avoir un petit coup de cœur pour ce film, en dépit du fait qu'il est pas fameux. Et je peux comprendre qu'on puisse apprécier ce film pour ça. Ça nous rappelle l'ambiance Pokémon, par son visuel, par certains moments d'action. Et donc, très bien. Pour les enfants, ce sera coloré, vif. Il n'y a rien d'ultra insultant pour l'intelligence en dehors de la fin. Et honnêtement, les enfants, ils diront... ils réfléchiront pas plus que ça à la fin. Ils diront juste, ah, il y a des tonnes de trucs qui pètent de partout, c'est trop génial. Donc, ouais, ça leur fera pas, sera pas un mauvais film à voir, mais il y a beaucoup plus travaillé que ça. De la même façon qu'il y a beaucoup plus travaillé que ce film-là. Et ouais, c'est pas un grand film que je conseille aux gens qui s'y connaissent pas plus que ça en Pokémon. Si ça a pu vous intéresser un petit peu, attendez-vous à des tonnes de références très putaclic, entre guillemets, très... Ah, vous, les fans de Pokémon, voyez comme on vous aime. Surtout les fans de Pokémon de la première génération. Ah là, on va à fond dans la référence à la première génération. C'est très grossier à ce niveau-là. Et ouais, quoi, il y aura pas mal de références, de raccourcis, de choses qu'on estimera que vous connaissez sur les Pokémon pour raconter l'histoire, qui vous passeront peut-être par-dessus la tête si jamais vous n'êtes pas fan de Pokémon. Même si honnêtement, je pense... pas que vous iriez voir ce film si vous n'aviez pas quelques semblants de connaissances Pokémon, je reconnais. Et honnêtement, ouais, c'est un film pour les fans de Pokémon qui n'a vraiment aucune prétention et aucune grande ambition, qui n'a pas de grande créativité à part dans l'ambiance visuelle et la modélisation des Pokémon, cet univers personnage que je reconnais est très bien fait. En dehors de ça, c'était un film passable, vraiment passable. Avec une fin très what the fuck assez conne, ce qui m'a fait à moitié délirer et à moitié rager, mais au moins ça m'a fait ressentir quelque chose, ça. Mais globalement, un film oubliable. Moyen. Et c'est terminé Pokémon pour moi. Je garderai quand même un petit bon souvenir du jeu Détective Pikachu, du jeu vidéo. Qui était quand même assez efficace. Pas trop mal. Ce film, par contre, je vais vite l'oublier à part pour sa fin complètement ridicule. En tout cas, ciao la communauté Pokémon. Vous attendez pas à ce que je m'intéresse à votre franchise de sitôt maintenant. Merci d'avoir suivi. Aimez ce que vous aimez. N'aimez pas ce que vous n'aimez pas. Ne vous forcez pas à aimer ce que vous n'aimez pas. À bientôt. Au revoir.